Bienvenue sur ma chaîne La Team Show Wall. Alors aujourd'hui, je change de registre. Hein, je me mets aux casseroles. Je ne sais pas si vous vous rappelez des moments qu'on avait la tendance à manger en Afrique, c'est-à-dire les toffees. Là, je vous présente les ingrédients, le lait, l'huile, la muscade et les petits pots où je vais ranger mes bonbons au lait. Moi, quand j'étais en Afrique, on appelait ça les toffees. Franchement, c'est des bonbons que j'adorais quand j'étais petite. On va commencer d'abord à verser l'huile dans la casserole. Ensuite, on va rajouter le lait concentré sucré. Et on va touiller. Je m'étais rendu compte que j'avais mis un petit peu trop d'huile. Donc, du coup, j'ai dû retirer un petit peu. Bon, je l'ai fait hors caméra. J'ai retiré un petit peu d'huile. Et on va touiller jusqu'à ce que, pour ne pas que ça colle au fait, il faut que ça fasse un effet caramélisé. Vous allez voir, c'est simple. Hein, c'est pas difficile à faire. Franchement, ils sont très, très, très bons. Il faut bien, 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 bien touiller pour ne pas que ça colle au fait. Et après, on va rajouter la noix de muscade. On va râper juste un tout petit peu pour que ça parfume un petit peu. Et voilà, on va rajouter la noix de muscade. Vous allez voir, ça a commencé déjà à changer de couleur. Ça a commencé à caraméliser. Il faut pas faire perdre le fil au fait. Il faut toujours, toujours touiller, touiller, touiller pour éviter que ça brûle au fait. Parce que ça cuit super vite, ça caramélise super vite. Et il faut veiller à ce que le feu soit bien, bien doux au fait. Pour ne pas que ça brûle. Et voilà, ma pâte, elle est bien. Certaines personnes l'aiment quand elle est pas trop cuite, c'est-à-dire limite un petit peu blanche. Mais moi, j'adore quand elle est bien, bien dorée comme ça. Là, je vais retirer de la casserole. Je vais la mettre à plat. Faut pas perdre une miette. J'en prépare une miette. Alors du coup, je vais me servir du rouleau pâtissier pour pouvoir étaler la pâte à ce que elle se refroidisse un petit peu, pas trop, parce que si elle refroidit trop, elle va durcir au fait. Donc du coup, je l'étale un petit peu pour pouvoir la manipuler au fait. Cela est très très chaud, on risque de se brûler les doigts. Là, je tapote un petit peu pour voir si elle est un petit peu maniable. Je vais mettre un petit peu d'huile dans les mains de sorte à ce que je puisse manipuler la pâte et aussi que je ne me brûle pas. Voilà, là, je vais décoller la pâte pour ne pas que. Au fur et à mesure qu'elle est là comme ça, elle va durcir. Donc du coup, il faut vite se dépêcher pour pouvoir les faire en boule. Vu que c'est comme du caramel au fait, ça durcit. Du moment où c'est sorti du feu, ça a tendance à durcir. Donc du coup, je vais les rouler comme ça en boule. Là, je vous assure, elle est un petit peu chaude. Bon, après, vu que j'ai de l'huile dans les mains, donc du coup, ça va. Elles ont commencé déjà à durcir.
Là, j'ai terminé de les mettre en boule. Je les ai laissés un petit peu sécher. Là, elles ont bien durci. Et voilà le résultat final. Chez moi, en Côte d'Ivoire, on l'appelle torfi. Je ne sais pas comment vous l'appelez chez vous dans votre pays. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.